dans le sud de Marmande. Je suis nouvellement arrivé dans la région et j'ai découvert avec plaisir l'activité militante des insoumis et des insoumises dans la région. Je suis venu là sur la caravane rurale de l'Aréole avec plaisir. Il y a du monde, les gens sont très accueillants. On entend beaucoup de paroles très bienveillantes et très curieuses de notre activité et de nos propositions. Donc c'est bon signe, ça donne espoir pour l'avenir et pour notre capacité à prendre le pouvoir, à mener le pays dans la bonne direction. Et voilà, moi c'est pour ça que je milite et que je me suis engagé chez les Insoumis maintenant depuis presque 2 ans, je crois. Donc l'objectif c'est de rendre la France et l'Europe et le monde plus juste, plus égalitaire et lutter contre le pouvoir de l'argent, la domination du capital, des ultra-riches qui écrasent et dominent les peuples et affament et tuent. Tout simplement. Voilà. Tout à l'heure, tu tractais avec Loïc Prudhomme, le député de la France Insoumise. Ouais. Comment tu as aperçu la relation avec les gens comment tu les as ressentis, ces personnes qui nous ont interpellés? Très curieux de savoir ce qu'est le travail parlementaire, de comment fonctionne l'Assemblée nationale, des institutions françaises de la Ve République. Curieux de rencontrer un élu insoumis parce qu'ils ne sont pas très nombreux et même si ils arrivent à se faire entendre, à se faire connaître, et du coup j'ai trouvé qu'ils avaient très envie de le rencontrer, de voir ce qu'il fait, ce qu'il dit, et de lui transmettre leurs attentes et leurs espoirs, leurs aspirations pour leur avenir et le devenir du pays. Donc je les ai trouvés très réceptifs dans la globalité sur ce marché de l'Aréole. Donc c'est vraiment très agréable à observer. Thank you.